Coucou YouTube, tu voulais me voir jouer à Black Ops 6? C'est chose faite, régale-toi, dis-moi ce que tu penses de mon level en commentaire. Je te préviens, j'avais encore le dos ouvert et je pouvais rester qu'une heure sur la chaise quand tu vois ça. Donc, sois tolérant. Bisous, like, commente, abonne-toi. Du coup, j'ai joué avec l'arme méta et j'ai joué aussi avec la MP5 et j'ai fait du café. Je vous laisse regarder un peu. J'espère que vous allez kiffer. C'est parti. Bah, ça jouait stimulant, ça se l'est... J'ai trouvé... Vous avez vu comment ça se déplace vite? Je me suis entraîné aux omni-mouvements, les gars. Mais c'était tellement dur. C'était tellement dur. Il m'a fallu 3 jours pour m'y faire. En fait... Le fait de lancer un slide sur la gauche en clavier souris. Il y en a qui ont joué un peu à la bêta là, clavier souris. Et à la bêta manette. Ok. En fait, nous, clavier souris, les gars, quand on avance. Depuis tout temps sur les jeux, c'est avec Z. Et si on veut déclencher une glissade, n'importe quoi, c'est avec Z qu'on la déclenche. Et sauf que là, on peut déclencher des glissades en appuyant sur la gauche, ou sur la droite, ou sur l'arrière. La glissade arrière, pour moi, c'est un des moves les plus durs. Vous allez voir dans cette vidéo, je me suis entraîné à la faire, mais dur. En tout cas, je vais vous le dire, j'ai joué... J'ai joué avec... Vous avez vu là? Ça c'était la glissade de côté que je viens de vous montrer. Attends, je te la remets parce que... Regardez ça. Là tu prends la ligne, t'entends un mec, tchou, glissade de côté. Et ça c'est un move, ça te détruit les caméras. Ce qui était agréable avec le stimulant, c'est qu'il se mettait vite, mais il n'y avait pas de steam boost. Du coup, mes impressions en termes de move, elles étaient vachement négatives les trois premiers jours. Mais en suivant les gars, les trois premiers jours passés, j'ai trop kiffé. Genre j'ai trop kiffé. Genre un excellent clavier souris sera meilleur pour moi que des joueurs manettes. Mais il faut vraiment qu'il soit excellent le clavier souris. Hein. Donc ça c'était la première map, tranquille. Didier au début il a voulu trier ça par jour, genre mon premier jour de découverte, puis ainsi de suite. C'était cas rapide? Ça va. Ah là putain les gars, avec cette arme j'ai fait des boucheries de ouf. À un moment donné j'ai même cuté genre 6 personnes, 8 personnes, un truc de malade. Là j'étais à leur spawn tu vois. J'ai fini avec un ratio je crois de... 70% de victoire. Hein. Genre, en fait, je déteste perdre, les gars. C'est-à-dire que quand les mecs gagnaient de ouf, j'arrêtais de faire les kills et je faisais les objectifs. comment tu sais, Issa? Oh, Issa! Mon gars, Issa! Et ouais, en fait, pendant ces quelques jours, les gars, j'ai joué avec Issa qui est là et Gros Mot. Et il y a certaines games. Elles ont été, mais terribles, les gars. C'est-à-dire que j'ai lâché une 93-4. Il y a eu une 58-2. Regardez le move, là. Vous avez vu? Là, j'ai tapé la glissade arrière pour reculer. Petit cancel slide, je l'ai détruit. Hop, j'ai pris le couteau. Ah ouais, autre truc. Autre truc où je pense que je vais être avantagé. C'est, vous avez vu? Il y a un slot pour prendre le couteau directement. Et nous, les joueurs, enfin... Tous les joueurs clavier souris, on a tous joué à Counter-Strike. Et sur Counter-Strike, c'est comme ça. T'as une AR, un sniper ou quoi. T'as un petit pistolet. Et t'as un couteau. C'est toujours comme ça. 1, 2, 3. Et t'as 4 pour les grenades. Mais là, ça va être exactement pareil, les gars. Regardez le massacre que je suis en train de leur faire, les gars. Regardez ça. Je suis en train de les briser.
J'aurais... En fait, ça va, les couleurs de la vidéo, elles sont pas trop extrêmes. Vu que j'ai l'éclat numérique, je me demande où elles sont belles. C'est nickel, allez, go go, c'est bon. Merci les gars. C'est flashy, c'est un peu vif, c'est bon, c'est bon. Mais j'aurais tellement aimé vous montrer ça en live, les gars. Vous imaginez même pas à quel point j'étais triste à ce moment-là. Genre, j'étais chez moi, je lâchais des gros gameplay. Bon, heureusement, il y avait Gromo et Issa pour s'amuser, tu vois, et jouer. Mais sinon, les gars, genre, je voulais trop vous montrer ce gameplay, tu vois. Le gameplay, c'est un régal, les gars. Je me suis rarement autant... Pourtant, je déteste le multijoueur, les gars. Vous le savez que je n'aime pas ça. Je me suis régalé. Regardez l'amour. Et à chaque fois que je déclenchais ça, les gars, je mettais ce son. Et je tirais comme un connard, les gars. Je m'amusais tout seul, tu vois. T'es sûr t'étais en convalescence? Ben, je me suis refermé le dos sur eux, les gars. Pourquoi t'aimes pas le multi? C'est pas fun. Le SBMM est immensissime. Genre, c'est-à-dire que tu fais deux games, et en suivant, tu tombes que contre des putains d'assassins de ouf. Là, le seul truc qu'il y avait, c'était que j'étais mille fois plus violent que les assassins. Regardez le push qu'ils vont prendre, là. Ok, c'est pas cette fois-ci. Ah ouais, ça! On n'en parle pas assez! Personne n'en a parlé! Qui d'entre vous a joué avec Infiltré? Regardez cette game, les gars. Je termine en 40 kills, 2 morts. 20 de ratio, messieurs. 20 de ratio. Genre, je me suis tellement amusé avec ça. En gros, quand on met le truc Infiltré... On rentre au milieu des équipes, et une fois que t'es bien au milieu d'elles, t'allumes tout le monde, et tu les tues tous, tu fais des quadras, 5 kills, c'est n'importe quoi. Mais là, je l'avais. Là, regardez, les gars, je l'avais. J'avais Infiltré. C'est pour ça qu'ils comprennent pas d'où ça vient. Enfin, lui, il a compris. Cette zone-là, j'ai fait des massacres, les mecs, c'était insane. Ah, là je l'active pas. Ça, les gars, on n'aurait pas dit la Milano de Warzone 1, cette arme, pour ceux qui ont joué. Ah, petit changement de map, toujours avec la Milano. Ah, de Cold War, ouais, la Milano de Warzone 1, Cold War. En fait... J'ai la sensation, les gars, que... Alors, le fait de pouvoir prendre le couteau dans les mains, pour moi, c'est un plus de ouf. Je trouve ça fantastique. Mais genre, vraiment fantastique, les gars. Mais pour moi, je trouve que là, on a un Cold War plus dynamique et avec omni-mouvement. Mais ce qui fait que... Je suis d'accord avec vous que Cold War, c'était une shit sur certains trucs. Mais, le bruit des hits, le bruit des headshots quand tu tires dans la tête, le bruit des trucs que tu ramasses, le fait qu'on puisse pas stacker comme un fou dans notre sac et que ce soit juste un sac normal maintenant, c'est pas trop bien, chat. Le bruit du snipe, genre... Y a quand même vachement de points qui sont positifs. Hein. Genre vachement. Genre dites-vous que ce gameplay, je l'ai enregistré comme ça, mais je savais même pas si je vous le montrerai. Hein, j'aurai l'occasion de vous le montrer. Vu que je savais pas quand est-ce que je reviendrai. Aïe, pas repéré. J'ai pris le couteau, tu vois, pour aller plus vite, mais ça a pas suffi. Je me suis... Et on m'a pas offert le jeu, les gars. C'est moi qui me le suis payé pour avoir le couteau. Je voulais trop le couteau avec l'œil. C'était important pour moi.
Et puis, vous avez vu la fluidité, les gars? Genre, putain, regarde, Issa. Il est là, le frère. J'en ai profité sur le Game Pass. Putain, c'est vrai qu'avec le Game Pass Xbox, vous l'avez. Oh, ça rush. Ratatatatata. J'aimais trop prendre cette ligne. Oh là là. Oh là là. Le turn 180. Into Steam, into Brock. Oh là là. Oh là là. Eh les gars, oh là 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 là. On leur a fait l'amour, les gars. Mais l'amour par le trou de balle. Là, on n'est pas rentré par le bon endroit. Là, on a forcé, on a déchiré les bords et on y allait. Oh là là. Là, je m'auto-suce, chat, là. Mais qu'est-ce qu'ils prennent? Je vous dis, j'ai vraiment, pour une fois, genre, j'ai vraiment aimé le multijoueur. C'est-à-dire que je me serais régalé à vous faire du multijoueur pendant une semaine. Genre là, t'as l'impression que la Milano, elle a un second souffle, tu vois. La musique de menu de BO6 est incroyable, je trouve. Alors, honnêtement, Goran, je m'en bats les couilles, moi. Genre, c'est no offense, tu vois, mais c'est les réflexions Skyros, tu vois. Mais vu que j'ai très peu joué aux autres Call of, j'ai aucune nostalgie des anciennes musiques, des machins, tout ça et tout. Genre, j'en ai rien à carrer. Ça, c'était une zone que j'appréciais de ouf aussi. J'ai déclenché des games de ouf ici. Regardez le massacre qu'ils prennent, les gars. Hop, hop, hop. Oh là là. Oh, chat. Je vous le remets pour la beauté des yeux, celui-ci. Je crois que c'était un des plus beaux enchaînements que j'avais foutu. Fiu, fiu, fiu. Il shit, votre pote. T'as fait la nuque, mec. J'ai fait 2x29. 2x29, les gars. En fait, là, j'ai essayé de la faire. Je crois qu'on est sur une tentative. Ah. J'ai bien aimé aussi le mode avec... tu sais, genre quand il faut tuer la cible. Genre, on peut être la cible ou c'est le mec d'en face qui est la cible. Protéger là, tu vois le mec de droite qu'on doit protéger. J'ai bien aimé ce mode là. Mais il y a juste un truc, c'est que en l'espace de 10 jours, je ne l'ai pas compris. C'est-à-dire le VIP. C'est-à-dire que j'ai pas compris, les gars, comment on protégeait la cible. Enfin, comment on faisait des kills en suivant de ça. Et comment on marquait des points, etc. pour gagner. J'ai rien pigé. Il n'y avait pas le bouclier, j'ai pas pu l'essayer. Ouais, sur ce gameplay, j'ai été la cible, justement. Et en fait, vu que tu peux te re-shield et tout, t'as un putain d'avantage. Ah, cette map, j'ai mis du temps à l'apprécier. Parce qu'elle était vraiment rude. Mais une fois que j'ai saisi par où il fallait rotater simplement et tout, genre ça a bien enchaîné, les gars. Regardez, vous voyez les phases d'accélération quand tu recharges, etc. C'est vraiment ultra dynamique, ça, c'est trop bien. Non, j'ai pas joué snipe. En fait, comme je vous ai dit, je pouvais rester que 1 heure grand maximum, 45 minutes, 1 heure au PC. Et c'est-à-dire que déjà, je me suis fait chier à monter moi-même l'arme. Donc je voulais pas perdre du temps à monter une deuxième arme. Je voulais juste jouer. Parce que je vous rappelle qu'avant, j'avais essayé Valorant. Avec GTA sur manette. Oh, ah, c'est le goût de la vie, il m'était échappé, quoi, le temps d'un instant, hein. C'était pas la meilleure période de ma vie, hein. Là, ils sont en train de respawn ici, gros. Ah, je suis super baisé. Ah ouais. Oh les gars, je crois que cette action, elle est incroyable. Non. Vous avez vu, pareil. On est accroupi, la décale par la droite, hein.
Bon là on est sur une 5 field sympa. Shrek Sky Rose. 5 field, 5 field. Laisse, laisse. Laisse. Mais en vrai c'est bien de vous montrer le gameplay comme ça tu vois. Au moins ça vous montre un condensé des bonnes games, tout ça et tout. Et j'espère que ça vous régale. En fait, ah ouais, autre truc. Genre, en fait, il y a juste un des avantages certains que j'ai saisi à la manette. C'est que vous les manetteux, genre quand vous glissez, vous appuyez sur votre bouton pour glisser et pour lâcher l'omni-mouvement juste derrière, vous restez appuyé sur votre bouton pour glisser. Et... Oh, le coup de couteau. C'est tellement simple, on va dire, comparé à nous. On doit... Les gars, nous, pour lâcher un omni-mouvement, on doit avancer, sprinter, glisser, appuyer sur notre touche omni-mouvement, re-sprinter, réaccélérer. Genre... C'est-à-dire que André Rieu, je le baise. Je le baise, les gars. Je serais né à la même époque que ce mec, j'aurais été 1000 fois plus connu que lui. Merci Ulox pour les 20 mois. Ah mais c'est... En suivant d'avoir vu ça les gars, j'ai prescrit une assurance sur mes doigts, tu vois. Parce que un croisé c'est vite arrivé hein. Et il en fallait des balles sur la cible prioritaire hein. Là j'étais la prioritaire. Regardez, on peut le voir parce que j'ai des plaques les gars. Et quand j'étais la prioritaire, je me suis... En fait, là tu vois, typiquement, je cherchais à savoir comment ça marchait. Est-ce que quand je fais des kills, on marque des points? Est-ce que quand je reste en vie, on marque des points? Je n'ai pas compris à quoi était basé le 40-29 là au-dessus. Genre, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est les éliminations? Il comprend pas. Fallait rester en vie et faire des kills. Des kills valent double. Ah, c'était comme du match à mort, mais genre ça comptait double. J'ai jamais réussi à comprendre en une semaine, les gars. Ma map préférée, c'était. C'était. La. Là où il y a une piscine. Là où il y a une piscine au milieu, les gars. Vous, c'était laquelle, la vôtre? Elle s'appelle... Je sais pas comment elle s'appelle, la mienne. Skyline. Skyline, les gars, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai... Mais Skyline, j'ai l'impression que soit tu l'aimais... Genre... J'ai cru qu'il allait me trickshot, lui. Soit tu l'aimais d'amour... Soit tu la détestais. Tu sais, genre, y a pas de kit ou double sur les maps. Pareil pour celle-là. Celle-là, c'est... Ça, c'est un peu notre... comment elle s'appelle? La map de débile là qu'on a qui est autour des containers actuellement. Pas Nocturne. Shipment. Ça, Babylone égale shipment, les gars. C'est. Tu t'allais ici. Genre, dites-vous, avec Gromo et Issa, on parlait quasiment pas, juste on fraguait. Et en fin de game, il y avait quelques mots. Qui pouvaient sortir plus haut les uns que les autres. Après, comme j'ai dit, j'étais en rémission et j'étais en train de me refaire la santé. C'est-à-dire que j'avais perdu l'habitude d'insulter aussi et du coup, forcément, je me suis réentraîné. La vérité, qui a le plus intéressé, c'est Warzone au final. Ouais, c'est Warzone. Comment est-ce qu'ils vont faire le gameplay, tout ça? Est-ce qu'il y a une nouvelle map? Est-ce qu'il y a un nouveau truc? Ouais, bien sûr, c'est Warzone le plus important. Mais ce que je veux dire, c'est que ça part bien là. Ça part bien. Et le gameplay est sympa, c'est chouette.
Parce que la map résurgence, les gars, que j'ai vu tout ce qu'ils ont fait et tout là-bas. Genre Area 51, genre la nouvelle map de résurgence. Oh. J'y serai pas beaucoup, quoi. C'est, pour vous dire, j'ai mille fois préféré le multi à cette map de résu qu'ils ont fait. Hein. Vous avez vu comment est-ce qu'on peut avoir un gameplay rapide? Lui, je l'ai détruit, chat, le mec, là. Il s'est pris full cancel slide, côté. Après, putain, il faut que je vous dise autre truc. Les claviers souris. J'ai mis 3 jours à regarder toutes les vidéos, tous les posts Twitter de tous les joueurs clavier souris, toutes les configs pour trouver le bon setup qui me plaisait, les bonnes touches, etc. Qu'est-ce que c'était dur à paramétrer le jeu. Genre le cancel slide au bon endroit, etc. Y'a pas eu un lock là? C'était bizarre, non? Tu pourras faire une vidéo config pour les claviers souris? Ouais, je vous ferai ça. C'est joli là, les enchaînements, les gars. Ça, je l'avais pas vu passer. Il y a un mec juste derrière moi à gauche et je l'avais pas vu. Par contre, avec la Milano, il fallait pas perdre trop de balles. J'ai détesté le clavier souris à cause de ça. Non, mais il fallait vraiment les paramètres. C'était, il fallait pas activer certains trucs, il fallait en activer d'autres. C'était compliqué, on va dire. Regardez les gars, là je viens de devenir, je viens de faire partie de l'équipe adverse. Regardez, hop, regarde, ils m'ont pas reconnu. Je suis masqué. Et en fait, quand on tue quelqu'un sur la POV des autres, regardez ça. Ils voient pas que je suis l'ennemi. Après, ils pouvaient s'en douter, tu vois. Ils savaient qu'il y avait un intrus. Donc, tu te mettais à tirer sur tout le monde. Ouh, la grenade. Tiens, vous savez ce que j'ai mis comme grenade? J'étais ici. Je l'ai envoyé tout en haut de la parabole. Elle est passée à travers. Elle est retombée sur un mec. Incroyable, les gars. C'était ma plus belle grenade du truc. Et le pire, c'est que je l'ai, mais je sais plus sur quel record. Pareil. Hop, j'ai remis un pet en arrière, les gars. Regardez le move là que je vais lâcher. Ça, c'est un move que tu peux lâcher au couteau, tu vois. Tchou. Salut RQ, ça va? Merci Latif pour le resub. Hop. Là je redeviens un espion. Et en gros là chez les méchants, il y avait un gros... Ah ouais, le nombre de fois où je me suis fait baiser par des mecs qui étaient allongés. Catastrophique, les gars. Catastrophique. Faut un PC à 3K pour jouer raisonnablement. Ah ouais, minimum. Minimum. Dix éliminations. Je m'amusais tellement, les gars, avec ce truc. Lead purple. Ça, on pouvait. En fait, le fait de pouvoir bien enchaîner les kills et de faire énormément de salles. Je viens de tilter à droite qu'il y avait des missiles. Je crois que j'ai jamais tiré de missiles, les gars. Merci Slien pour les 4 mois.
Je me suis fait exécuter, les gars. Hop. Une fois qu'il m'a exécuté, je reprends l'hélicoptère. C'est pas drôle, ça? C'est-à-dire qu'une fois que le mec t'exécute... Ah, moi, par contre, j'étais comme un robot, les gars. C'était mon seul sport d'ordinateur de la journée. Je tirais comme un sociopathe dans tous les sens, hein. Il vous reste, chat, il vous reste 3 minutes de gameplay. Régalez-vous. Il risque d'y avoir du sale. Là, j'étais dans des lobbies. Ça jouait fort, hein. Genre, chaque duel, il était pas évident. Genre, chaque duel, je devais mettre un steam. Le SBMM, il avait bien augmenté. Du coup, là, je commençais à sortir de meilleurs moves. Comme je vous ai dit. Vous avez vu jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Là, on est jour 5. J'ai pas essayé le shotgun. Apparemment, il était très très bon. Pfiou. Après, j'ai radé, les gars, combien j'ai d'FPS. Je suis entre 300 et 400 en multijoueur. Ça va. De 120 à 300 FPS, tu vois la différence? Bah, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a les écrans 120, 144, 200, 240. J'aimais trop le... Quand tu sautes, tu plonges, tu peux gagner du temps sur les déplacements, c'est un truc de malade. Hein. Cette position aussi, elle était trop forte, les gars. Là, je voulais un drone. Je savais qu'un mec campait et attendait. Hop là, c'est bon, je l'ai trouvé. Et là, c'est dératisation, gros. Tu leur push leur spawn. Oh là là. Oh, le flingue, par contre, qu'est-ce qu'il était nul. Qu'est-ce qu'il était nul, le flingue, les gars. Vous pouvez jouer à BO6, tous ceux qui s'abonnent. Si vous êtes sub ou follow, automatiquement, en étant lié à ma chaîne, vous pouvez jouer à BO6 là maintenant, tout de suite. Aujourd'hui. Oh. Oula. Quelqu'un a vu quelque chose? Ce move. Les gars, regardez. Ça c'est le move omni mouvement, les gars. Regardez. Vous avez vu comment on peut se relever vite, comment on peut bouger vite et tout. Oh là là. Ils se sont pris une quadra kill, gros. Ça leur a fait bizarre. Les cons. Là, ils sortent de leur spawn. Je prends la position. Hop, spawn terminé. C'est du 6v6. Ouais, c'est du 6v6. Et à partir du moment où tu fais une double ou une triple kill, t'as un ou deux potes qui en prennent un, l'autre il est caché, bah voilà. Ah, là ils sont tous en face. Je les push mais comme un sauvage, gros. Ils jouaient comme des Skyros. Enfin, je veux dire comme des... Oh là là. Hop, on arrive dans son bac. J'ai mis la grenade. Hop, on reprend la ligne. Là, c'était toujours pareil. Une fois que tu t'es fait un petit chemin de rotation, c'était toujours pareil. Ah. On dirait que ça continue de tirer sur les corps. Ouais, ouais, Mélina, ouais, ouais. Oh, action de la partie, les gars. Ça, c'était cool aussi. Hein. Regardez l'action de la partie, chat. Tout. Double kill. Triple kill. C'était ça. Derrière, j'en ai refait 4 de l'autre côté, putain. C'est une rediff. Ah non.
Voilà, chat! Voilà mon gameplay BO6!